Avant de créer un compte dans les médias sociaux, la plupart des réseaux sociaux offrent différents paramètres de profil. Certains sont ouverts, alors que d'autres sont fermés. Bon nombre de réseaux sont ouverts à moins que vous ne changiez précisément les paramètres. Tout ce que vous publierez sur le site peut être vu par quiconque choisit de vous suivre. Sur Twitter, par exemple, vous pouvez choisir de rendre votre profil privé afin que seules les personnes que vous avez approuvées puissent le voir, ou bloquer des personnes en particulier pour les empêcher de voir ce que vous publiez. Sur un réseau fermé comme Facebook, les gens doivent être amis les uns avec les autres avant de pouvoir voir ou partager ce que l'autre personne publie. Presque tous les réseaux offrent des paramètres de confidentialité qui vous donnent un peu plus de contrôle sur les personnes qui peuvent voir votre contenu personnel et celles qui ne le peuvent pas. Sur Facebook, vous pouvez accéder aux paramètres de confidentialité en cliquant sur « Paramètres », puis sur « Confidentialité ». Choisissez « Qui peut voir vos futures publications » en choisissant une option de confidentialité à partir du menu déroulant « Public », « Amis » ou « Moi uniquement ». D'autres paramètres, comme l'option d'identification dans Facebook, vous permettent de décider qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié. Il est important d'apprendre à connaître les paramètres de protection de confidentialité de tous les réseaux sociaux que vous utilisez.